Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, juste je vous montre mes investissements et ma stratégie sur ces investissements et souvent les modalités d'inscription pour ces business. Voilà. Donc je vais vous reparler de Orc. Alors aujourd'hui, voilà, ça c'est tous les trades. On peut voir que Orc, j'ai remarqué que c'était souvent le matin à partir de 10h et c'était en trade continu jusqu'à à peu près 17h. Et ensuite ça reprend la nuit vers minuit, 1h du matin. Ça reprend. Voilà, ce qui prouve bien qu'en fait c'est des traders avec des fuseaux horaires différents qui trade voilà un peu de tous les continents parce que c'est quand même assez continu. Le seul moment où j'ai trouvé une pause, c'est entre souvent 18 et 22 heures où là souvent ça trade pas, mais sinon ça trade en continu. Voilà, donc moi pour faire un peu le bilan sur Orc, on va aller dans investissement. Donc j'avais mis 500 €. Et on peut voir que le profit net, il est de 31,92. Ça fait un mois à peu près. Pour le mois entre le mois de juillet et le mois de juin, un mois. J'ai donc fait approximativement 6% net. Voilà. Pour Orc, pour ce mois-ci. Et sous. Voilà. C'est 6% pour moi, c'est correct en net. Hein, parce qu'il y a un profit sharing de 25%. Donc, ils m'ont retiré 25% à la fin du mois. Quand vous avez un mois d'inscription chez eux, un mois de trading, ils vous prennent 25% de profit sharing. Voilà. Je vous rappelle que ce robot est constitué de 9 traders. Qui sont des traders humains, bon, et qui sont bien sûr aidés de robots à intelligence artificielle, mais qui sont humains, qui sont un petit peu dispatchés dans le monde entier avec trois autres traders qui sont en attente, qui sont comme des remplaçants. Et c'est Orc qui coach ces traders et qui décide qui continue, qui s'arrête et qui supervise un petit peu tout. Voilà. Donc ça permet de diluer un petit peu, si ça déconne, c'est un trader qui déconne, ça permet un peu de diluer les pertes quand ils vous font des drawdowns. Voilà. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas vu des. Alors, il faut savoir que tous les jours, c'est pas positif. Hein. Il y a des jours où vous allez être dans le négatif. Mais quand on regarde sur un mois, bah, vous êtes gagnant. Et ça me paraît quand même être. Un petit peu plus réaliste que certains robots qui vous font toujours le même pourcentage chaque jour et vous vous demandez comment ils font. Voilà. Donc je vous rappelle que le broker est indépendant, votre argent est en sécurité, elle est sur un broker régulé très connu qui s'appelle Vantage FX. Voilà. Donc ce qu'on va juste faire, c'est juste vous montrer, car j'ai eu pas mal de questions sur l'inscription. Donc voilà, on va juste regarder un petit peu la vidéo. Thank you.
Voilà. Donc en résumé, ce qui est plus fastidieux, c'est l'enregistrement sur le broker, car il vous en fait demande une vérification d'identité. Et après, il faut basculer du compte Vantage et créer un autre compte. Ce qui est important, ne pas oublier, c'est le levier de 501 sur 500 et de bien mettre le numéro qu'ils ont mis à la fin. On va le re-regarder. Voilà, ce numéro-là. C'est très important, c'est celui qui va vous relier au compte PAMA en fait. Donc c'est 526 10 70. Voilà. N'oubliez pas de mettre en euros, c'est important de mettre en euros. Voilà. Et une fois que c'est relié, après, aucun souci, vous pouvez aller ensuite sur Payme Vantage et FX. Voilà, et ici vous verrez tout. Vous pouvez avoir l'historique des trades, votre investissement. Voilà, donc vous avez tout à disposition. On peut retirer sans problème, rajouter, pas de souci. Il n'y a pas de frais, c'est conseillé de retirer plutôt le week-end quand il n'y a pas de trade. Voilà pour Orc, en tout cas pour l'instant, moi j'en suis content déjà parce que l'argent est en sécurité et pour l'instant, sur ce que je vois, il gère les situations. Faut savoir que c'est fluctuant en ce moment, déjà c'est pas terrible au niveau du forex. C'est pas forcément le meilleur moment pour faire des gros gains, mais il faut savoir qu'il y a des mois, c'est déjà arrivé, un mois ils ont fait 40%. Mais bon, s'ils font du 5%, il y a un mois, je crois qu'ils ont été en négatif, hein, bien sûr. Et le principal, c'est qu'en fait, il y a une moyenne lissée sur l'année qui soit positif. Moi, à partir de 4, même 4% par 3-4% par mois, ça me convient très bien. Du moment que l'argent est en sécurité. Voilà, alors, il y a toujours des risques, hein, bien sûr. Si les 9 traders déconnent en même temps, vous perdez 50% de vos gains. Voilà. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, Orc communique, vous pouvez aller sur le site déjà pour voir pour l'inscription. Hein, tout est guidé. Regardez, guide d'inscription. Et là, vous pouvez télécharger. Voilà. Vous pouvez télécharger. Aucun problème pour tout. Comme ça, c'est plus facile que la vidéo. Voilà. Et ils communiquent. Vous pouvez leur poser des questions. Ils communiquent sans problème. Ils répondent très vite. Hein. Ils répondent généralement dans la journée. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour Orc aujourd'hui. Prochaine vidéo, ça sera peut-être sur Justifil, car en ce moment il y a des petits soucis. Donc, à voir. On attend de voir comment ça se passe. On va attendre, je vais attendre quelques jours encore de voir si ça s'éclaircit ou pas. Voilà, à très bientôt. Ciao.